Rouge. Et comme chaque jour, nous retrouvons sur Rouge l'actu décalé et relevé. C'est Rasé de Presse, préparé et présenté par Jérémy Vaillant. Dans le Haut-Valais, des moniteurs de conduite se seraient entendus pour saler la note. Bien, installez-vous face au volant, 5 francs. Mettez votre ceinture, 5 francs. Réglez votre viseur, 5 francs. Ajustez votre siège, vérifiez que vous êtes au point mort. Mettez le contact, 20 francs. Nous allons partir. Nous conduirons à peu près une vingtaine de 200 francs. Non, une vingtaine de minutes, je voulais dire. Vous réglez en espèces ? À Genève, rue de Berne, au Pâquis, un locatif est envahi par les rats. La régie a agi, mais le problème persiste. Wesh, tu m'as appelé, wesh, oh, cous, oh, tu cherches quelque chose, bonhomme ? Non, merci, je ne parlais pas de ces rats-là, monsieur. Par contre, ceci, on n'est pas prêt de s'en débarrasser. D'après la conseillère nationale PS de Saint-Gall, Claudia Freidy, il y aurait de moins en moins d'anguilles en Suisse. Oh, par contre, dans mon quartier de la Morue, il y en a toujours, frère. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de blaireaux aussi. À Lausanne, une bande de voleurs continue d'écumer les gymnases du canton. Bon, ce soir, Polo, tu t'occupes de la classe de philo qui est au bout du couloir à droite. Raoul et moi, on va à l'étage et on se charge du labo de chimie. Raoul, question. Ouais, on va se taper longtemps encore du gymnase, chef. Et Raoul, que ça soit clair, tant qu'on sera complètement con, on ne cambriolera que des gymnases et après seulement, on passera à l'Uni.